Bible. Trop belle. Qu'est-ce que tu as encore? Il me parle mal. Il menace de me quitter si je ne lui faisais pas un enfant. Attends, ce n'est pas comme si c'est toi qui décidais si tu tombes enceinte ou pas. J'ai essayé de lui en parler à plusieurs fois. Et il me donnait toujours l'impression de me comprendre. Son comportement de tout à l'heure me fait comprendre pourquoi il est devenu très distant avec moi. Il ne répond pas à mes appels ni mes messages. Écoute, arrête de pleurer et réfléchis. Y a-t-il un endroit là où on vend les enfants, Rosine? Je ne veux pas le perdre. Il compte beaucoup pour moi. Ne pleure pas. Ça va aller, ok? Ah oui, salut Dikongé. Je suis à notre nouvelle cave, tu peux me retrouver. La cave, le siège. Ok, je t'attends. Personne d'elle ne veut me faire un enfant. Personne d'elle ne veut me faire un enfant, merde. Ici que tu es, je t'ai cherché partout. Je veux rester seule pour m'y réfléchir. Ça sent les soucis. Raconte. Rosé, tu penses qu'une relation n'a de sens que lorsqu'il y a un enfant? Mais qu'est-ce que vous avez tout avec cette histoire d'enfant? Tu vois que tu peux pas m'aider, non? Ça dépend de la vision des partenaires et de leurs objectifs surtout. Roger veut que je lui fasse un bébé. Attends. Tu viens de dire Roger. Le même Roger que je connais là. Le fiancé de Michel. Oui. On est ensemble depuis quelques jours maintenant. Et aujourd'hui me balance sur le visage qu'il veut que je lui fasse un bébé. Sheila, la situation est même plus pire que ce que j'imaginais. Toi avec Roger, je n'imagine même pas ce que Michel ferait quand il va la prendre. Tu vois comment tu es. Je te parle d'un problème, toi tu parles d'autre chose. Non Sheila, ton problème est même plus pire que ce que toi-même tu imagines. Non mais, Roger...
Parce qu'un demi-caser est bien en plein 14 et avec cette chaleur, ça veut dire que les affaires marchent. Elles sont toutes pareilles. Qui t'a provoqué? Personne d'elle ne veut faire un enfant avec moi. Même pas Michel. Et quand j'ai posé la question à la nouvelle, elle n'a même pas su quoi me dire. Bien, Roger, j'avoue que tu me perds là. Écoute, le temps passé que... Tu te rappelles Michel, ma fiancée? M'a dit que le docteur nous a demandé d'être patient, que l'enfant viendra. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je sais qu'elle a des connivences avec ce médecin. Elle essaie de se jouer de moi. Oui, elle essaie de se jouer de moi. Elle veut que je paye sa formation, que je lui ouvre son salon. Et après, elle va s'attacher à un mec à qui elle va faire des enfants. Quant à la nouvelle, je ne la plains pas. Parce que je sais qu'elle puisse s'attacher à mes biens et à ma fortune. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu n'es même pas en état de réfléchir normalement. Mais que tu allais dire ça. Mais rassure-toi, je suis encore lucide. Ah, laisse-moi boire. Ok. Écoute. Je calme-toi. Il faut qu'on parte. Quand tu ne seras plus sur les fêtes de l'alcool, on va mieux causer. C'est comme tu veux. Allons-y. Et toi, je ne t'ai pas sonné là-bas. Hein. Enlève ta bouche sur mes choses. Ça te cut, ça te passe en temps quand même. Arrêtez vos querelles de quépousses là. C'est quoi même? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes des quépousses? C'est elle, non? C'est elle qui a commencé. Vous êtes des quépousses? Mais ça suffit là. C'est moi qui commande ici. Toi, tu apprends aussi à respecter ton nez. Quand ça bouge, comme si elle va aller cogner ça sur le mur. Méfiez-vous, hein, d'autres chopés. Je vous dis ça. Voilà. Vous allez attendre.